Bienvenue pour votre rentrée des classes à la No Sex Academy. Je suis Herr Junger Decker, votre No Sex professeur principal. Comme vous pouvez constater, mon nom est effectivement d'origine germanique. Et puis de temps en temps, tu vas complètement laisser respirer le public. Ça, c'est une autre gestion, c'est l'espace que toi, en tant que comédien, tu vas mettre entre le public et toi. Tu vas te mettre à distance quand la salle va être pleine et pleine d'énergie, tu vas les laisser venir à toi, et tu vas te rapprocher très fortement du public quand ils sont que trois. Et quand tu fais des longs moments de silence, c'est ce moment qui est impressionnant pour un public. C'est là où tu te rapproches du public. Quand tu fais « Je suis Herr Junger, professeur !» Là, en fait, je suis proche du public dans le moment de silence, parce que là, c'est... Mais si t'es proche avec une salle qui a de l'énergie, ils vont me bouffer. Donc là, tu vas « Je suis Herr Junger, professeur !»« Oui, c'est la No Sex Academy !» Là, tu vas reprendre vite derrière. Ouais. C'est l'expérience. Bon, voilà. Bienvenue pour votre rentrée des classes à la No Sex Academy. Tu vois, alors, et si alors, on veut jouer, si on veut s'amuser, tu peux avoir le sourire sur bienvenue avec le sourire que tu as à la No Sex Academy. Je suis Herr Junger Decker, votre No Sex professeur principal. C'est ça. Et là, tu deviens vraiment, à ta présentation, tu fais une évolution du sourire à notre caricature de l'allemand. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà, ben fais-le. Tout à fait. Alors, sourire, bienvenue à la No Sex Academy. Et au fur et à mesure, tu vas transformer ce sourire en torsionnaire affreux sur Herr Junger Decker, sexe principal. Alors, les garçons, bienvenue! Bienvenue pour votre rentrée des classes à la No Sex Academy. Je suis Herr Junger Decker, votre No Sex professeur principal. Comme vous pouvez le constater, mon nom est effectivement d'origine germanique. Nein. Ce mot est interdit. On dit d'origine allemande. Ok, c'est pas mal. je te reprends et c'est bien. On travaille vraiment bien, Stéphane. Parce qu'on fait un boulot vraiment microscopique quand le texte est bien su et que les personnages sont là, c'est ça en fait le boulot. Ça peut être. Alors, je vais te le refaire pour une dernière fois. Il ne faut pas non plus trop faire reprendre, parce qu'après, évidemment, on se suffit, on n'y arrive plus. Mais ça peut être beaucoup plus précis. T'as senti que t'avais, t'avais encore zappé, t'avais encore accéléré l'idée, t'as pas encore pris le public en entier en disant... Et alors, à un moment, t'as mal géré ton sourire, souri sur No Sex Academy, puis t'as commencé à plus sourire, et après t'as repris le sourire, je suis votre professeur. Tu te rends compte de la maîtrise psychique qu'on doit avoir sur le texte, le corps, bon voilà. Donc en fait, et puis c'est comment passer du sourire à pas sourire du tout, jusqu'à complètement faire la gueule. Nein, je ne suis pas un bonobo, je n'écoute pas mes hormones, je ne suis pas un bonobo, tel est mon credo, je ne suis pas un bonobo, je raisonne, quand je vois mon amoureux, je ne regarde que les yeux. Et le soir, quand je m'endors, je garde les mains loin du corps. Je ne suis pas un bonobo, bonobo. Je suis pas un bonobo, bonobo, bonobo. Je ne suis pas un bonobo. Oh, oh, ah! Demain, cours de No Sex, Sciences de la Vie.
Harvey Dozen. Stéphane, c'est bien. Ce qui est vraiment bien, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est le plaisir que tu prends. Et.